Moi, salut tout le monde dans le nom de Jésus. Non, pas moi, c'est Sister Guernage. Nous sommes un groupe 4 jeunes. Et Sister Wilen, Sister Viola et frère nous Maxime. Eh bien, nous-mêmes, le Seigneur, mettez-nous ensemble pour nous travailler pour lui-même. Eh bien, et là que nous avons fait vidéo, surtout pour moi-même, là que m'a parlé, nous venons parler de l'Église, l'Église Christ là. Nous pas venons parler de yon. De yon kay, ce qui est un bâtiment qui est fait avec mes dames, mais nous venons parler de ou même qui c'est l'église là, c'est ou même qui c'est temple, et bien c'est avec ou même qui a suivi moi, m'a parlé. Moi, j'ai un seul nous qui c'est Manou Douze, qui te pose nous une question, mais comme étant donné moi, elle n'est pas vraiment comprendre, elle pose une question, et bien m'a répondu, m'a répondu, dans une vidéo, peut-être qu'il y a un autre monde qui pas bien comprendre, mais qui pas posé une question ça, et bien pendant ma balle réponse là, ou même moi tout prend, on ti note la donne. Eh bien, on va aller plus loin. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 2, verset 4 à 10. Nous connaissons déjà ces partagés versets. Je ne vais pas dire rien. Mais moi, nous allons lire pour nous dire mais qui ça la Bible dit, mais qui ça qui écrit. Eh bien, dans 1 Corinthiens 2, verset 4, qui ça dit? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça est apôtre Paul qui t'a parlé, il dit comme ça, l'air que la baie moun yo l'évangile la parole là et la prêcher yo l'évangile là, c'est pas un discours que Lévin fait lui-même qui t'a écrit lui, mais la parler de la sagesse là. Là Jésus-Christ c'est la sagesse. Ça c'est non ça mandou, Jésus-Christ est toujours parlé en parabole et bien là Jésus-Christ relait la sagesse. Et bien il dit comme ça, ça que me parle parler là, c'est pas bagaille terrestre. Mais ces bagages célestes, nous ne parlons pas parler de la chair, mais nous parlons parler de l'esprit. Il nous dit ça, nous parlons de l'esprit de Dieu. On connaît Jésus-Christ, c'est lui-même qui Dieu a déjà. Dans Colossiens 2, verset 9, et bien, quoi, c'est Jésus-Christ en plan, et bien, Dieu lui-même qui c'est esprit, a li habité dans quoi ça, que lui-même lui créé, lui fait à propre, mais pas, lui pas habité dans yon kay que yon fait pour lui encore. Kay yon te fait pour lui, ou Salomon te fait pour lui. Ça c'est Ancien Testament, mais Nouveau Testament et qu'on est là Jésus Christ lui-même, c'est lui-même qui remplace le temple de Dieu. Nous parlons dans n'a dit verset 5 là, il dit comme ça, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, c'est pas ça les hommes a dit non pour la foi fondée, parce que foi c'est un bagage qui dans ou même et ou pas ouais mais ou quoi, ça c'est la foi. Il pas vienne parler ou ça c'est apôtre Paul qui a parlé, il pas vienne parler ou sur une sagesse qui fondée sur et sous les hommes, mais il dit que ça met sur la puissance de Dieu. C'est ça que me va parler avec vous là. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Sagesse ça que n'a pas le là, c'est pas bagaille qui a passé sous tes ça qui capral fini parce que yo là pour un petit temps, yo pas là pour longtemps. Mais nous pral parler de la sagesse de Dieu, qui c'est connaissance de Dieu qui gagne tout pouvoir, l'âme d'où là il dit comme ça, qui c'est puissance là. Eh bien, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Moi, ouais, il y a un petit commentaire qu'a fait côté mon yab dit moi c'est un même monde qui t'a écrit Bible et que Bible t'a fait te laisse si c'est là-bas. Eh bien, nous même nous pas pas venir dire parole pas nous, mais nous pas dire ou même qu'a marcher avec Christ là, pas écouter parole. D'ailleurs, à l'église Bible gagne c'est lim gagne tout, eh bien, ou même on pral li pour même pour pas quitter au lit pour pas faire même j'aime te qu'on fait longtemps bah faire ça encore nous parce qu'il n'a pas proche dans fin temps et nous supposer qu'on est parabolio, nous supposer qu'on est qui sa prophétie ou vle dit pour nous capable comprendre la parole de Dieu, nous pas détruit parce que nous pas gain connaissance mais n'a pas apprendre, nous pas quitter au lit des mensonges pour nous y a virer bagaille pour nous pas comprendre mais nous pral lit parce que la Bible dit que ça lit écrit et bien sous prier ou chercher Saint-Esprit, hein, ou mander bon Dieu faveur li, et bien de pour chercher ou ap trouver, et bien nous besoin l'Esprit Saint hein, qui pour guider nous, qui pour ouvrir les yeux nous spirituellement, qui pour ouvrir compréhension nos oreilles, nous besoin bon l'autre oreille, et bien c'est créole m'a parlé pour nous comprendre la parole de Dieu. Et bien nous praler dans
et verset 7 là, il dit comme ça, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Ça me parle pas là son mystère qui est lié, il dit comme ça et caché que Dieu ayant les siècles avait destiné pour notre gloire. C'est l'Éternel qui te fait comme ça, son bagage qui mystère qui te caché et bien dans temps ça pendant Jésus-Christ vini, il révéler tout ça qui te caché yo parété pour nous pas dans confusion. Dans Joël ou prophétie en te en bail déjà dans Joël 2, il dit Jésus-Christ parler, il fait tout bagage ça yo kounya longtemps dans l'Ancien Testament nous t'es dans confusion parce que nous te contendé, yo dit dans temps Moïse te gen Dieu te a parlé à Moïse, mais il vini après pour les vin faire peuple là elle même pour yo toucher pour yo pas dans confusion encore. Après ça il dit comme ça dans verset 8 là il dit comme ça sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu car s'il l'eussent connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça veut dire si yo te connais c'est Jésus-Christ même qui Christ là c'est lui qui t'est venu. C'est lui, yo t'a parlé, tout le monde t'a parlé prosterné devant lui, parce que c'est lui Dieu, il est créateur, pour yo adorer. Mais puisque yo pas te connaît, là, lui dit oui, dans verset 8, là, dans 1 Corinthiens 2, verset 8, lui dit si yo te connaît, yo pas t'a crucifié, eh bien, puisque yo pas te connaît, c'est lui même qui Dieu, hein, et ça fait ça passer comme ça. Mais, lui t'a gen temps expliqué à apôtre, lui t'a gen temps parlé avec disciples, lui explique toute parabole là, eh bien, après, il finit accompli toute chose sous la croix, rendre soupirant pour esprit en écarté pour quoi qu'a mourir pour sang qu'a couler et bien après ça apôtre yo disciple yo te connaît exactement c'est lui même parce que l'elle t'est levé il t'est fait well il t'est fait 40 jours encore avec eux avant il t'est enlevé pour le monter côté il t'est avant et bien il dit comme ça c'est laisse à le voyer yo il voit esprit saint sur le jour de la Pentecôte pour yo gain esprit saint pour yo al marcher gayer bonne nouvelle là tout partout côté au passé. Eh bien, nous parlons dans 1 Corinthiens 12, verset 1, à 28, même pas fin de lire tout pour vous. C'est parce que moi, j'ai un frère qui t'a écrit moi, ouais, li gen des bagages qui ne pas comprendre ça que me t'a dit hein et bien moi venir pour m'expliquer aussi d'après la Bible nous pas t'a parler de un caille mais nous a parler de ou même qui l'église là et ou même qui temple là. L'enale dans 1 Corinthiens 12, il dit comme ça, puisque, il dit pour ceux qui concernent les dons spirituels, excusez, pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frère, vous soyez dans l'ignorance. C'est apôtre Paul qui a parlé. Il dit comme ça, eh bien, on connaît chaque monde gondon, et chaque monde gondon. Il y a des gens qui ont prêché, il y a des gens qui ont chanté, bon, c'est pas chaque monde gondon. Mais il dit comme ça, il pas vle moun yorete dans l'ignorance, parce que m'te dit ça, quel que soit Haïti, Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, quel que soit dans le pays Korea, eh bien, de pour son monde qui remè Jésus, ou accepte Jésus-Christ, ou à suivre Christ là et bien ou même Jésus-Christ c'est quoi nous te dit ça esprit a habité dans quoi et bien nous même nous c'est membres corps Jésus-Christ là nous c'est membres c'est la Bible qui dit nous parler dans 1 Corinthiens 12 et dans verset 27 là excusez parce que dans l'autre vidéo tellement pressé li et bien pas bien garder ça m'était écrit hein c'est 1 Corinthiens 12 verset 27 il dit vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Il dit que Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Après ça, il dit ensuite ceux qui ont le don des miracles, pour ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler différentes langues. C'est l'Éternel qui fait comme ça. Ça veut dire, quel que soit dans quel côté, ou à adorer, ou à louer, quel que soit écriture que vous mettez, c'est pour différencier, mais c'est nous tous qui fait partie. Qui laisse l'abdon? N'abtenez pas. Qui laisse et pour venir chercher l'église fiancée. Eh bien, si c'est nous-mêmes qui l'église là, qui fiancée, eh bien, quel que soit à côté, il dit comme ça à tous ceux qui l'ont reçu. Le aller dans Jean 1er et à continuer, il dit où il est venu dans la famille.
et yo pat konnen li, yo pat resevwal, et bien tout l'autre monde qui resevwal yo, li gen pouvoir pour li fò vin devenir enfant de Dieu. Et bien si c'est li mouri sou la croix pour pardon péché ou, et bien puisque c'est li même qui mouri sou la croix pour pardon péché ou, et bien et ou même ou connaît Jésus-Christ mouri pour ou, ou tande la vérité a, ou tande bonne nouvelle là, et bien ou accepte li, et puis ou vin baptisé même Jean Jésus-Christ est baptisé par Jean-Baptiste, et bien ou soit suivre Jésus-Christ ou c'est membre quel que soit nom ou te ou l'adorer ou depuis ou suivre Jésus-Christ c'est même Bible ça ou gen avèm, et bien ou c'est membre ko Christ là. M'pa vin di ça c'est parce que moi ou en côté écrit un bagaille, même di ça d'après la Bible. 1 Corinthiens 12 verset 27 c'est la Bible qui dit c'est apôtre Paul il t'a parlé mais yo même yo te prend enseignement tout disciple enseignement Jésus-Christ t'a ba yo c'est lui même yo prêché yo pas retiré yo pas mettre. Et bien puisque Jésus-Christ dit moi même moi veux suivre Jésus-Christ et bien ça qu'elle dit en moi accepter elle quel que soit malon l'autre côté moi adorer tant que par exemple moi même et non lieu côté moi adorer moi aller nan lieu a yo marqué tabernacle ou bien shekina etc. mais quel que soit côté ou aller nan monde là ou ouais yo met gen côté c'est le Seigneur li dit que ça tout monde qui connaît c'est non ça parce que pas gen aucun autre nom qui surpasse que nom Jésus-Christ et li n'a servi et bien nous c'est membre une l'autre m'pa vle moun yo gen confusion parce que Jean y a écrit nan c'est comme si Jésus-Christ pas dit pour pas religieux non ou yes il va suivre tradition nouvelle alliance là c'est comme ça ancien yo te kon fè yo te religieux tout et bien même les ou t'a fait ça l'église primitive l'autre l'église etc etc et bien même les ou t'a fait ça yo t'a suivi d'après nouvelle alliance là Jean Jésus-Christ balien et ça apôtre yo t'a essayé faire ça disciple yo t'a fait parce que yo te dit ancien contrat fini et bien si on a nouveau contrat il a fait exactement ça nouveau contrat veut dire yo t'a suivre parole Jésus-Christ là. Et bien puisque tu as suivre parole Jésus-Christ là, c'est lui même n'a suivre tout. Quel que soit côté nous aller dans non lieu, dans l'adorer. Nous pas nous oui, nous pour nous ca différencier ba yo, pour nous ca gon adresse, on dit tel côté, mais pas oublier ou pas qui nous invoquer le nom de Jésus. Quel que soit le nom de Jésus. Et bien puisque c'est non ça, avec non ça qui gagne tout pouvoir, on connaît c'est le créateur ou son chrétien. Et ça oui, pas besoin à écrire moi, à me dire dans quelle église vous marchez. Ne demande pas de marcher dans tabernacle, marcher dans l'église Shekina, surtout près moi. Sourete bon la caille moi, ferme qu'on est ou à visiter moi même tout ngue doit visiter tout, mais nous pas vienne parler de et religion spécifique parce que apôtre Paul dit il allé non parmi juifs yo. Tout ça le dit selon Jésus-Christ, yo balon tradition ça que yo te gagne dans ancien yo. Les ab dit non, mais comment bagarre la vie kounya? Yo tourner avec nan ancien yo. Kounya apôtre Paul dit que ça moun yo plus religieux que yo christianisme, que yo suivre Christ, que yo suivre parole Jésus-Christ là. Yo plus focus sur yon coutume, sur yon tradition, mais ça maman m'a pas me kon fait. Mais ça me te lever me joindre et tant que grand même te kon dit depuis le petit, li lever nan ça, mais qui jan bay sa yo et cetera. Mais nous même nous pas fait ça, n'a juste li Bible là et puis pour nous suivre exactement ça Jésus-Christ qui te qui Jean ça te longtemps faut qu'on ait oui qui ça te kon fait longtemps et bien puisque qu'on est là nous pas n'entend ça encore siècle ça passe nous nos nouvelles générations et bien qui ça pour nous faire connait là parce que dans tant longtemps yo te gagné et commandement l'Éternel te bail la loi Moïse là là yo te violé loi yo te mouri oui en pile malheur te rivé parce que l'Éternel te passé l'ordre li et même Jean tout dans tant ça même les li dit nous vinn libre nous pas esclaves encore qu'il y a ni juif ni grec ni esclave ni libre nous tout li reconnaître nous pas pas circoncis par la main d'homme encore mais nous a circoncis dans le cœur ça veut dire nous besoin pour nous l'Éternel ban nous un nouveau cœur un nouvel penser pour nous gagner remet prochain nous lui dit ça est plus grand commandement même l'autre fait toute l'autre bagaille de pour pas gagner la charité c'est comme si toute bagaille tout aller
eh bien c'est même bagaille là nous kembe, eh bien ou même cap suivre Christ n'a pas fait même j'ai pharisien ou pas fait même j'ai scribe pas fait même j'ai avec l'autre monde c'est pas parce que yo pas connait la parole mais yo pas comprendre Jésus quel que soit Jean Jésus ba yo parabole et puis voyez disciple à l'expliquer yo mon cher pas comprendre rien et pas c'est tradition yo kembe là yo dit bon mais ça me te connaît mais ça me te connaît pourtant c'est même Dieu mais même Dieu qui était là hier c'est lui là qui l'a chaudi et c'est lui qui est là éternellement ça veut dire ça le dit li pour nous faire nous pas capable dépasser l'autre bagaille. Excusez-moi. Oh mon petit Jean pas ouais plus moins. Excusez. Eh bien OK nous praler dans Nombre 21, Nombre 21 pour nous lire un passage ensemble avec vous. Et chercher toute façon pour moi c'est capable expliquer et servant ça et manou dosé pour chercher une façon pour me capable expliquer les questions qu'il était posé maintenant et Nombre 21 verset 9 qui ça lui dit Nombre 21 verset 9 lui dit comme ça Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie. Ça c'est un bagage qui était passé longtemps sous temps Moïse là et bien vous connaissez et pharaon pas de jamais voulait quitter peuple là quitter il t'a fait Dieu t'a kembé avec Moïse dit pas de jamais voulait quitter peuple là aller et bien qui ça t'est passé là et l'Éternel te voyait et gros maladie sur yo et bien lèpre s'est pamplé de piqué yo et bien Moïse te même li te gagné li te fait yon tout et bien li te dit peuple à chaque fois yon serpent mordé yo et bien depuis al yo voye yeux yo gardé serpent que li même li te metté en l'air te levé li il te metté le non hauteur et bien a guéri yo pas mourir encore y a gagné la vie et bien l'elle parce que si tu as demandé moi comment faire et te gagné un serpent qui te levé ça c'est ancien testament ça c'est coutume qui t'est passé longtemps dans ancienne alliance là qu'on a pendant nous dans nouvelle alliance là gardez qui ça Jésus-Christ fait dans Jean 3 verset 14 parce que nous pas n'entend longtemps encore qu'on est là et n'entend ça nous y n'a juste ça qui n'entend ça qu'on est allé nous aller dans Jean 3 les nous aller dans Jean 3 OK les noirs les dans Jean 3 verset 14 li dit comme ça et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé ouais dit même Jean Moïse t'élevé serpent et puis qui même là on l'autre serpent et puis quand les gars yo garde serpent Moïse là yo te gain la vie et bien li dit comme ça et même Jean tout dans nouvelle alliance ça c'est même Jean tout yo pral lever qui côté yo t'élevé le fils de l'homme là yo te Jésus-Christ c'est pendant le sous la croix oui m'dou li te le fils unique parce que lui même n'est pas fait par femme et homme li te fait par le Saint-Esprit c'est esprit c'est en même qui t'est entré dans qui t'est couvert en blanc couvert Marie li entré dans Marie qui vient former Jésus-Christ et bien Jésus-Christ t'est fils unique parce qu'elle t'est prend sans sa chair ça l'était gagnant li t'est prend li dans Marie et bien et puisque les salités homme mais pas oublier pendant homme dans tout esprit saint qui dans alliance c'est lui-même qui Dieu dit ça son mystère qui lié ou même qui chrétien va comprendre moins parce que là l'abdou encore dans et verset 15 il dit comme ça afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle nous dit l'autre sister encore te écrit dit comme ça dans Jean 3 verset 15 il dit comme ça afin et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et bien c'est même bagarre là la m'expliquer au sister ça fait il était fils unique c'est parce qu'il est pas fait de Joseph avec Marie c'est esprit c'est en même qui te couvre Marie et puis il mettait et l'esprit à dans Marie et bien Marie li vin prend chair ça dans Marie parce que dans Jean 1er verset 1er il dit la parole fait chair la parole là qui c'est Jésus-Christ li fait chair dans Marie et bien pendant dans Marie li vin prend chair là avec sang ça et bien c'est sang ça li pral verser pour nous en tant que agneau de Dieu parce que dans si
l'Ancien Testament, c'était un petit mouton pour t'aller sacrifier. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il passe comme ça pour venir tourner un mouton. Hein? Est-ce que tu es un mouton quatre pattes qui t'a gagné pied? Les Jésus-Christ est venu. Non, ancien, son bête normal, un animal qui a gagné quatre pattes. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, son homme qui a été cloué sous la croix pour verser sans ça, pour être capable de nous la vie. Il vient mouton. Hein? Ouais, parabole là, de son agneau de Dieu. Eh bien, ou le regarde, ouais, c'est l'homme même j'avais nous. Mais c'est parce que lui-même, il pas de jamais faire péché, quel que soit ça ou t'as fait, il pas de jamais faire rien. Eh bien, il pas de jamais répliquer, il pas de jamais tout ça ou te dit, il fait l'aller avec lui, il pas de problème. Eh bien, il mourit pour nous comme ça, il prend humiliation, il caché dans la figure, etc. Eh bien, c'est comme ça, il était élevé. Je vais arriver en sous-sœur pour montrer lui. Côté ça qu'il t'a dit maintenant, c'était dans l'Ancien Testament qu'on y a nous pendant nous dans le Nouveau Testament, mais que Jean pour nous faire bagaille. Dans Jean 8 verset 28, il dit comme ça. Jean 8 verset 28, il dit comme ça. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qui laisse qui Père qui enseigne là, c'est l'Esprit à qui n'en lit. Et bon côté même, l'effort qu'on est, il dit comme ça, si toutefois, et il a parlé, ou l'homme a parlé, là ça c'est dans Corinthien, il dit, qui ça qui fait me parler là? L'Esprit à qui n'en même, moi, je te dis ça déjà. Si l'Esprit a écarté, je suis capable d'en coma, si l'Esprit ou bien tout, je suis capable de tout mourir. Parce que depuis l'Esprit a écarté, chez sa Bible tombe, et puis sang a coulé, et puis ou mourir, ou bien séché ou mourir. Et bien c'est même bagaille là, il dit comme ça, c'est l'Esprit à qui n'en lui-même. Et nous parler dans Exode 25 verset 17 à 22 pour bien expliquer sister a parce que c'est question ça a été posé moi parler dans créole Exode 25 en verset 17 Exode 25 verset 17 OK 17 à 22 il dit que ça ou prend pi bon lò ki genyen ou a fè yon kouverti pou boîte là la mesure 3 pieds 9 pouces longueur sous 2 pieds 3 pouces largeur ou a fè portrait 2 anges chérubins en lò y a prend lò a y a bat li ak mato pou yo fè portrait yo ou a mette yo en wo kouverti ya, yon sou bo droite, yon sou bo gauche, ou a kole yo bien kole sou kouverti ya, pou yo fe ko avèl. Zanj, chéri ben yo, va louvri zèl yo en wo tèt yo, kon sa ya kouvri kouverti ya, se pou yon en fas lòt, avèk tèt yo bese en ap gade kouverti ya. Il dit wa mette couverti a sous boîte là ça c'est boîte contrat et après ça il dit dans boîte là même wa mette deux roches plates moi pral ba ou pour nous ka toujours changer moi qui c'est 10 commandements yo c'est là m'a toujours contré avec ou m'arrêter en haut couverti a ça c'est l'esprit de Dieu ah oui et nan mitan des anges chérubins yo m'a ba ou tout l'ordre moi gain pour m'ba ou yo pour moun Israël yo et bien dans lieu ça yo te mette yo te fait et chérubin ça yo mette des ailes yo comme ça et bien ça c'est ancien testament et ça c'est dans lieu des saints des saints Saint des saints, lieu saint des saints. Eh bien, ce qui s'est fait ou te fait comme ça, c'est parce que ouais là, du coup, ça m'a arrêté en recouverture. C'est là l'esprit de Dieu te congrété dans temple, dans lieu saint ça. C'est là sacrifice seulement sacrificateur qui te ka rentré là. Seulement ça. Si qu'on fait un bagage, eh bien, ou pas capable aller direct, ou passer par Moïse, ou dit Moïse qui ça pour dire bon Dieu pour ou, eh bien Moïse pral dire et puis Dieu lui-même l'a dit Moïse qui ça pour vindou et puis ou même ou dit tout parce que ou pas de gain accès pour même pour être capable venir directement, c'est Moïse qui était intermédiaire kounya et longtemps, c'est lui-même qui était médiateur, qui était au milieu entre Dieu et le peuple. Mais les Jésus-Christ vini, il changer bagayyo. Dans nouveau contrat ça, dans nouvelle alliance ça qui n'a vivre kounya, et bien Jésus-Christ dit comme ça lui-même, il pas arrêté dans yon moun
fait et Salomon te fait ni Moïse te fait tant pour lui etc. Et bien qu'on y a li rete dans propre corps parle li formé qui c'est Jésus-Christ c'est dans corps ça qui est lié et bien les et ça fait les deux comme ça c'est l'eau élevé même Jean Moïse te levé et serpent et bien c'est qu'on soit va lever le fils de l'homme non et bien chaque fois regarder ou va gagner la vie éternelle ça veut dire que c'est chaque fois de pour croire dans lui ou croire dans lui ou accepter lui ou suivre ça le fait et bien ou même va gagner la vie éternelle nous parler dans Hébreux 9 verset 1 à 28 on pas fini pour toute pour sister mais moi dire lui pour aller Hébreux 9 verset 1 à 28 pour montrer exactement qui ça c'est nous du Ancien Testament qu'on a comment nous faut testament dans Hébreux 9 verset 1 à 28. On va aller bien rapide et pour vidéo pas trop long. OK, Hébreux 9 verset 1. Il dit que ça la première alliance, ça me t'a parlé là dans Moïse a été première alliance. La première alliance avait aussi des ordonnances qui étaient 10 commandements où elle était by Moïse pour mettre en bas qui c'est boîte contrat. Il dit que ça relatif. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre ou est terrestre. Aïe bagay qui t'a passé sous la terre. Après ça, il dit que ça, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, en dedans, oui, appelé le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et ça me saute tout à l'heure. Là, tu as un lieu qui aurait le lieu des saints. C'est seulement sacrificateur qui était capable là. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Ça veut dire côté premier qui était lieu saint, c'est là où nous avons venu adorer, chanter et prier. En deuxième, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelé le saint des saints en bien nous côté bien saint des saints ça c'est seulement sacrificateur qui était capable rentrer là il dit seulement Moïse après ça il dit comme ça ou bien Salomon ça dépend de qui sacrificateur qui était venu après après ça il dit comme ça dans quatre là renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arc de l'alliance entièrement se couvert d'or il y avait dans l'arc un vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Après ça, dans verset 5, il dit, au-dessus de l'arc étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre de propitiatoire. Et ombre ça, c'était Dieu qui s'est esprit. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ça, c'est un peu de cap de ça. Il dit que ça, dans verset 6 là, or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Eh bien, c'est, yo te gen pour yo rentrer chaque année, m'kwe, et marcher je verset à pour vous, pour yo te capable aller pour m'passer l'inan commencement, l'inan finissement, parce que dans verset 6 là, et pour te capable aller. Après ça, il dit comme ça, dans verset 7 là, et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, bon, moi, je n'ai, oui, il dit comme ça, ouais, dans le premier, on est capable d'adorer. Mais dans le deuxième, là, et dans le second, le souverain sacrificateur, seulement sacrificateur, seul entre une fois par an, ça veut dire une fois dans l'année, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Ça veut dire l'elle rentrer, il pas porter seulement offrande pour peuple là non, il porter pour lui tout pour péché lui et pour péché peuple là tout. Après ça dans 8 là, il dit comme ça, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ça veut dire tout pendant tu gain contrat ça là et bien esprit saint le saint esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert et bien chemin ça qui c'est Jésus-Christ ouais Jésus-Christ il toujours lit ses chemins il dit comme ça et bien tout pendant ça pas fini il pas prend fin là et bien lui mais Jésus-Christ lui-même il pas quoi t'a vini et bien pendant Jésus-Christ vini et bien tout mettait fin dans et pas que ça et après ça il dit comme ça
Verset 9 là, c'est une figure pour le temps actuel. Attendez, pour son figurier pour nous-mêmes qu'on a. Il dit où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il dit eh bien laisse à mon yote kon poto offrande tu es cabri petit bœuf et bien et petit mouton etc pour porter mettre volaille etc. Ça dépend de qui péché te fait et bien qu'on est là et l'Éternel lui-même lui dit comme ça et non pendant Jésus-Christ venir hein, il dit comme ça qu'on est là sacrifice qu'elle besoin c'est sous sacrifice qu'elle besoin excusez il dit sous le rapport de la conscience qu'on y a ses consciences ou c'est ça qui rend culte d'adoration qu'on y a ses consciences ou pas besoin porter un mouton un agneau pour sacrifier encore et bien qu'on y a sacrifice ça il besoin qu'on y a ses consciences ou c'est ça nouvelle alliance. Après ça dans 10 dans il dit bon faut pas parler trop rapide pour me dire nous le bien même tellement veiller l'heure toujours parler vite qu'on y a les du coup ça dans verset 10 là et qui avec les aliments les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation ouais toute bagaille ça oui c'était bagaille charnelle que tu as fait les pas spirituel. Après ça dans verset 11 là il dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il dit comme ça, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ça veut dire c'est pas mais l'homme ouais il dit comme ça c'est qu'il y a Christ venu c'est cool et lui-même qui souverain sacrificateur à kounya il dit comme ça et bien lui-même l'autre là t'es bon oui t'as bien acté bon mais lui-même le dit il vient plus que parfait il vient plus que parfait il dit c'est-à-dire c'est pas un c'est pas un li pas fait avec la main d'homme c'est pas un calque pour le faire avec main mais c'est Dieu même Jésus-Christ même qui bâtit propre corps li dit li pas dans création ça li pas dans création ça. Après ça dans verset 12 là li dit et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire dans premier ça sacrificateur Moïse Salomon mon ça te kon rentre yon fois par année pour yo offrir sacrifice pour tête yo et sacrifice pour peuple là et bien les Jésus-Christ vinn là qui ça le fait il dit lui-même il rentre tout yon fois tout ça veut dire mourir yon seule fois pour nous et bien il ressuscite tout il peut pas avec sang ni bou ni veau ni aucun l'autre bête mais avec propre sang pâle il venir pour nous capable bien rédemption éternelle la vie éternelle. Après ça dans verset 13 là dit car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté.